Paris, ses monuments, ses ponts sur la Seine et ses cadenas sur les ponts. La mode est devenue une tradition pour les amoureux. Rien de tel que ce petit geste dans un cadre romantique pour se prouver ses sentiments. Ça représente notre amour. On a accroché notre amour à ce pont. D'où vient cette tradition? Mystère. Certains disent de l'Italie, d'autres de la Russie. Mais accrocher des cadenas se fait aussi en Chine ou aux États-Unis. Après tout, peu importe, c'est le symbole qui compte. C'est bête comme ça, mais ça prouve un peu l'amour et tout. C'est comme si on était attaché. Comme le cadenas, il s'ouvrira plus jamais avec la clé, on est lié, quoi. Certains posent aussi des cadenas en mémoire d'un animal de compagnie disparu ou en forme de prière pour qu'un parent ou un ami malade recouvre la santé. Tout cela fait les affaires des bouquinistes et des vendeurs à la sauvette qui écoulent des dizaines de cadenas chaque jour, entre 5 et 10 euros pièce. Question, que deviennent tous ces cadenas avec le temps? Encore un mystère, la mairie de Paris refuse de dire si elle les enlève régulièrement. Mais quand on s'aime, on ne pense pas à ce genre de détails.